C'est parti pour la suite. Ouh, c'est mignon. Une vraie autoroute américaine sous la neige, surélevée, avec de la glace. Ça va glisser à mort. Ce qui est pas forcément super cool. On va voir ce que ça va donner. L'Interstate 70 à Grand Mesa National Forest, toujours dans le Colorado. On va pas être facile. Mais on va bien voir ce que ça va donner. Oh, 200 km/h. Je baisse beaucoup. Par contre, c'est bien si je compte, si j'ai toujours ma GT1. Ça va être très bien et ça va être vraiment très pratique pour recommencer, effectivement, parce que c'est tout ce qu'il faut quand on est sur la glace. Le son est encore trop fort. Ben non, je genre rattrape tout, c'est ça. Merci quoi, il est en train de me dire que c'est en train de devenir tout glacé. Je crois que je le vois. Bon, par contre, il va falloir que je fasse gaffe s'il n'y a pas des plaques de glace quelque part. S'il y a des plaques de glace, je vais forcément les manger. Ça a tendance à pas être super mignon. Je l'ai dit. Dénoyauté dans le coup. Je vais pas manger la ligne Greyhound. Ça serait bien. Je double quelqu'un, je mange un panneau. C'est tout à fait classique. Là, la route est complètement glacée. Je suis à 200 km/h sur une route complètement gelée. Rien que de très normal. Très mauvais. Ça arrive aussi. Je vois quelqu'un. Il y a de la neige partout. Il y a de la glace. Tout ça. Cette autoroute me dit vaguement quelque chose. Je suis à 270 km/h sur une autoroute glacée. Je viens de manger un pickup, ce qui a fait qu'un autre Prius en a profité pour me doubler. J'ai refilé le pick-up. Je vais remanger encore exactement un pick-up qui ressemble, mais comme une demi-goutte d'eau à celui que je viens de me manger. Aïe. J'ai un peu pris la rambarde de sécurité. C'est reparti. On réaccélère un petit peu. Ce coup-ci, on évite de se manger de la rambarde. On évite de se manger de la caisse aussi, mais vu comment je l'ai laissé bien en travers, je pense que c'est à peu près bien et que l'autre derrière va avoir du mal à me rattraper. Je dis ça au moment où j'entends un moteur et où je me mange quelqu'un tellement fort que je doute que j'arrive à rattraper l'autre. Il reste 2 km, tout est encore possible. Tout est possible, tout est probable, tout est imaginable, zone bokap. Voilà. Je pousse un petit peu. J'ai pas beaucoup de nitros quand même.
ça glisse vraiment beaucoup par rapport à ce que je disais précédemment. Où ça c'était tout juste. J'ai l'impression qu'il arrive derrière moi. J'essaie d'accélérer ce que je peux. Il reste 600 mètres. Sauf si je me prends un bus. Ça devrait le faire. Parfait. À 0,91 secondes près. J'ai réussi. 99e. Plus que 49 places avant d'arriver à Chicago. 800 XP, c'est très bien. La GTR est vraiment, vraiment cool. Ça fait 10 fois que j'appuie sur A pour continuer. Il a pas planté quand même. Ah non. Ah, you have lost the connection to the EA server. Et ben comment dire, je m'en tamponne. Enfin, j'espère que je peux m'en tamponner. Au final, je me suis pas posé la question de qu'est-ce que ça faisait d'être connecté au serveur EA ou pas. C'est pas important. Glenwood Springs. Toujours à Grand Mesa National Forest. Toujours dans le Colorado. Et après le Colorado, on va arriver directement à Chicago. On voit en haut, sur un truc que je viens de montrer, ce qui est débile. Parce que vous ne voyez pas mon doigt ni mon écran. Mais juste à côté du A de USA, il y a un petit point blanc en bas des grands lacs. Bah, du lac Michigan sûrement d'ailleurs, ou du lac Huron, enfin je ne sais plus du tout. Chicago. Franchement, il se renouvelle pas beaucoup ce jeu. J'aurais dû prendre l'autre côté. Hop, hop, hop. Ah, des flics. Comme c'est étonnant. Pourtant, celle-là, je sais même pas si je l'ai volée, cette voiture. Hein. Ah, il y en a un qui est dans l'autre sens, ça y est, quoi. J'accélère. 92e, donc j'étais... Il faut que j'aille jusqu'au 89e, c'est ça. C'est doté de ça, je pense. Ouh, ça chasse sur les bords. J'espère que personne n'arrive en face. La réponse est non. Ceci sont les forces de l'ordre. Veuillez vous arrêter immédiatement. Et je me suis pris un sapin. Pas facile de redémarrer quand on a les forces de l'ordre juste devant. On va essayer de dénoyauter. 7 km. Voilà. Ça c'était pas prévu. Ok, donc épingle à cheveux. Cette racing line n'était pas si catastrophique que ça. Un peu courable, mais n'était pas si catastrophique que ça. Mais quel chieur ce flic! On n'aurait pas pu faire autre chose et se mettre à un endroit moins poivre. Parce que là maintenant je vais avoir du mal quand même à rattraper les deux autres devant. Ah ça j'aime pas ça, une passe. Une passe de montagne. Mais quel enfoiré ce flic. Faire un retour. Hein. Il a fallu que je m'arrête complètement pour pouvoir faire la passe. Du coup, les autres sont plus ou moins rejoints. Et je galère à rejoindre les deux autres devant là-bas.
Ouais, bah, je m'en fous, quoi. Laisse-moi courir. Je m'en fous de savoir que je viens de tuer un flic. Ce que je veux, c'est rattraper ceux-là. Rattraper là comme ça et les fumer tout ce que je peux. Il reste 2 km pour faire ça. On en est passé un. Comment ils font pour accélérer aussi vite? J'ai une voiture surpuissante et j'arrive pas à faire pareil. Pourtant j'ai vraiment... Celle que j'ai là est surpuissante. Ça peut encore... Peut-être se faire. Je veux juste pas avoir assez de nitros. Je vais finir. C'est vraiment pas passé loin. Mais oui, on retry de toute manière, c'est ce que je dis toujours, ça sert à rien de me dire que... Enfin, complètement idiot de proposer ça dans ce genre de jeu. On propose ça que si on peut faire autre chose. Ça n'a pas de sens de proposer... d'éventuellement ne pas faire de retry. Enfin, ça... Oui, enfin voilà quoi. Je n'en ai même pas les mots pour dire tellement ça me paraît idiot et débile. Franchement, faut pas déconner non plus. Allez, charge plus vite. Allez. Je sais que le hardware, il a 7 ans, mais bon, quand même. Quand même, pour aller plus vite. Ah, super. Difficilement faire pire que prendre ce côté-là de l'autoroute. Rien. Je ne comprends pas comment ces flics font pour avoir des voitures aussi abominablement et absurdement puissantes. Moi être 300 km/h sur une autoroute complètement gelée, c'est pas mieux non plus. Je conduis sur le centre de l'autoroute parce que c'est vachement mieux. Allez, bonjour vous deux. Vous allez bien, tout ça. Maintenant, au moins, l'avantage que j'ai, c'est que je connais à peu près à quoi ressemble la suite de la map. Je sais déjà que là, je me mange un pick-up. Et que je devrais me faire redoubler par les suivants. Et que là, il y a une abominable de plein de la cheveux. Et que le... Ma prise de l'épingle à cheveux a été particulièrement absurde. J'admets que le coup de le faire sur deux roues et la rambarde de sécurité, c'est plutôt original. Ah bah il m'a fait reprendre après. Je suis après le roadblock qu'ils viennent de faire. Je suis avant. Non, je suis après. Ok. Saleté! Comment ça va être chiant ces trucs? Là maintenant je sais que j'arriverai pas à les... Je n'arriverai pas à les re... à les repasser ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi, déjà si j'ai des flics qui arrivent pas de me faire des conneries comme ça, enfin... C'est quand même censé être faisable. Ça
franchement, les flics, ils abusent, quoi. Il n'y a que moi qui suis... Si on était tous au même... au même rang avec les flics... This is going on too long, guys. Franchement, c'est ridicule ce genre de jeu où les où un élément s'acharne uniquement toujours contre le même avec le même joueur. Ça n'a pas de sens. Parce que là non plus, je ne pourrais pas. Ouais, ouais, je suis complètement détruite. Je suis vraiment complètement détruite. 89. Bon, ça serait bien qu'ils trouvent un truc pour se renouveler là, parce que je commence à en avoir marre des courses de bon. Ah, gagne 10 places. Fais du time attack. Fais un peu les deux en même temps, et du time attack et du gagner des places. Enfin, renouvelle-toi le jeu là. Hop. César Dillion. Ouais. Mais oui, je sais qu'on... The more banks the road. Bah oui, bah ça c'est logique. Plus la route est penchée, plus on peut aller vite. They drive as a crew, Jack. Stay sharp. Oui, moi j'utilise les barrières de sécurité pour tenir. Et les autres. Ah bah en fait c'est exactement ça quoi. Encore une fois, gagne 3 places. Il faut que je me rappelle que les barrières qui sont plus claires, c'est des barrières qui sont destructibles. Sinon, que je ne fasse pas ce que je viens de faire. Allez, magne-toi! Pas la semaine non plus. Les barrières un peu jaunes comme ça sont destructibles. Il ne faut pas éclater l'accélérateur. Je crois que j'ai de la traction. Donc je ne peux pas faire ce que je disais précédemment d'utiliser les barrières sur les bords pour conduire. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Elle drift. Elle drift. Le problème des petites routes de passe de montagne comme ça, c'est que c'est difficile de conduire vite. Et du coup, c'est très difficile de gagner de la nifus. Et vu que c'est à peu près le seul moyen que j'ai. Genre quoi. Je suis à fond sur mon accélérateur. Et genre ils arrivent à me doubler. Ah. Ça n'a pas de sens. Je veux bien qu'il y ait du rubber banding un petit peu sur les jeux, mais là ça n'a pas de sens quoi. C'est de l'event scripté à cet endroit là. Il doit te doubler pour te faire ça. Essayer de t'éclater sur le bord et c'est scripté. Enfin. Ça n'a pas de sens, les jeux qui scriptent comme ça. L'autre va faire exactement pareil, voilà. Et là, dès qu'ils vont arriver, ils vont essayer de me pousser sur un bord tous les deux. Franchement, entre une GTR et leur genre de voiture, il n'y a pas photo, quoi. C'est même pas la peine de penser à ce qui puisse être plus rapide que la GTR. Dans n'importe lequel des cas. C'est strictement impossible. C'est même plus du tuning, arriver là où ils sont
sont arrivés. On est encore au-delà de l'aspect pour faire un peu de tuning et de modification sur mon moteur. Déjà pour arriver une GTR à la vitesse à laquelle je suis en train de la conduire, c'est même plus du tuning non plus qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut changer le moteur et mettre un moteur de tuning, je sais pas quoi. Enfin, si je sais quoi, mais c'est pas grave. L'idée n'est pas là. Ah bon, voilà, fin, tiens. Ce sera pas le moment de se prendre un bus. Voilà. Ça, c'est réglé. Après, mon petit coup de rage. Ça va mieux. Ah ouais, 10 minutes pour le faire quand même. Super, pour gagner 3 places. Bon, renouvelle-toi le jeu.